Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Voici une deuxième figure de pen spinning, un petit peu plus difficile que la première, mais qui reste largement abordable pour le commun des mortels. Alors voici la figure, je vous la montre plusieurs fois. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit donc d'une rotation du stylo autour du majeur. Alors, tout d'abord, je tiens le stylo assez fermement avec le majeur et l'annulaire. Le majeur étant légèrement plus près du pouce. Voilà. Et donc, j'exerce une pression avec le majeur vers le bas et une pression vers le haut avec l'annulaire. Et donc, cela va avoir pour effet de donner une rotation au stylo. Donc, une sorte de pression. Et donc, pour commencer, je vous conseille d'exercer cette pression dans le creux formé par le pouce et l'index, juste ici. Et donc, progressivement, vous allez reculer votre pouce et le stylo va partir tout seul. Voilà. Donc, progressivement, et ça tourne. Alors, faites attention, donc au moment où vous allez lâcher le stylo, l'annulaire doit se reculer et surtout, votre majeur doit rester fixe. J'insiste sur ce point car c'est pas toujours évident, mais il faut qu'il reste fixe. Et donc, pour le rattrapage, il se fait avec le pouce et l'index, assez facilement, et donc on revient à la position initiale. Donc ça, vous devriez le sentir. Alors, quand vous vous serez familiarisé avec cette figure, vous pourrez essayer de le faire, mais sans vous aider du creux entre le pouce et l'index. Donc voilà, comme ceci. Alors, si vous n'y arrivez pas, sachez que c'est parfaitement normal. Mais persévérez, entraînez-vous, et vous y arriverez. Bon entraînement.